Good morgen, allez, il est sur le chemin de Ramon de Rabbi Israël Bethany de Vora Bat Esther ainsi que l'Irfoat Amram Ben Masoudi si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah à contacter les 5 minutes éternelles. Nous étions dans le Sakhati Mamad Perekret, Mishnah Aleph. He Arel ve Cholat Meim lo yochlu bitouma. Neshem ve Avdehen yochlu bitouma. Toa Daka ukrut shofcha. Hen ve Avdehen yochlu. Unshehen lo yochlu. ואם לא ידעה מי שנעשה פצוע דקה, וחרות שופחה, הרי אלו יאכלו. On continue à parler, dans ce chapitre, de nouveau, des personnes qui ont le droit de manger à la trouma, et ensuite, ça va nous faire entrer, en fait, dans le sujet général, quels sont les gens avec qui on a le droit de se marier ou pas de se marier. D'accord? Un sujet va entraîner l'autre. On commence avec le premier, tout d'abord, on va comparer deux cas de figure de Kohanim, de personnes qui sont Kohen, et que selon le cas, il y aura une différence entre est-ce que eux ont le droit de manger la tourma et est-ce que leurs femmes et les esclaves ont le droit de manger un cas au contraire de l'autre. On va comparer le Harel, et on va comparer le Ptsua Daka ou Chrout Shofra. Harel, c'est quelqu'un qui n'a pas fait le Brit Mila, et même si c'était par souci de santé, il a eu deux frères. Quand ils étaient petits, ils ont fait le Brit Mila, ils sont morts. Du coup, on ne fait pas le Brit Mila au troisième. Si c'est un Kohen, la Mishnah m'enseigne. Et Harel vechol atmeim, un Harel est comme toute personne aussi qui est impure. Lo yochlo bitrouma, ils n'ont pas le droit de manger la trouma. Même si c'est un Kohen, il n'a pas le droit de manger la trouma. Le Harel est considéré comme une personne impure. C'est déduit par juxtaposition dans les psukim. C'est pas qu'il véhicule une impureté, mais il a le même statut de ce côté-là. Et voilà. Donc, et Harel vechol atmeim, ou toute personne qui est impure, lui-même, lo yochlo bitrouma, ils n'ont pas le droit de manger la trouma. D'accord? Par contre, vechol Harel lo yochalbo, c'est dit sur le Korban Pessah, on apprend par Izra Shava aussi pour la trouma. Neshehem ve avden yochlo bitrouma, par contre, leurs femmes et leurs esclaves, ils ont le droit de manger de la trouma. Soit, on va prendre un cas plus simple, une personne qui est un Kohen qui était impur. Le Kohen, d'abord, on a dit, lui, il a le droit de manger, sa femme a le droit de manger, ses esclaves ont le droit de manger la trouma. Lui, maintenant, il est devenu impur ce matin, il a touché une souris morte, il est impur. Aujourd'hui, il n'a plus le droit de manger la trouma. Malgré tout, vous comprenez bien que sa femme et ses esclaves, si eux, ils sont purs, il n'y a aucune raison de les empêcher de manger la trouma. Parce que quelqu'un qui est impur, c'est pas quelqu'un qui est exclu du droit à la trouma. Il a le droit tout à fait. Il est concrètement dans l'incapacité de manger en l'état. Mais il n'est pas exclu. Selon le même principe, le harel aussi, il n'est pas exclu de ce fait. Lui-même, il ne mange pas la trouma, c'est vrai, parce qu'il a un problème technique. Mais ses esclaves, ou même sa femme, qui sont, c'est bien, c'est eux, ils sont purs, et ils ne sont pas harel, et bien, dans ce cas-là, ils ont le droit de manger la trouma, d'accord? A l'inverse, là, donc maintenant, on a pris une personne qui a, lui, il n'a pas le droit, mais ses esclaves et sa femme, ils ont le droit. Là, maintenant, on va prendre un cas contraire, que lui, il a le droit, mais que sa femme et ses esclaves n'ont plus le droit. Et la Mishnah m'enseigne, Ptsua Daka, Ukhrut Shofra. On parle d'un Ptsua Daka et un Khrout Shofra, et ça on va en parler plus longuement dans la Mishnah dans la prochaine Mishnah pour définir qui sont-ils. Ce sont des personnes castrées. Il y a plusieurs manières d'être castré. On a eu un problème, il y a eu les testicules qui ont été broyés, ou il y a eu plutôt le membre lui-même, le guide, ce qu'on va parler en langue propre. Le guide, ça veut dire le nerf, la partie qui est longue. Le guide qui a été coupé, ça s'appelle Khrout Shofra, il était Koret la Shofra. Chofra, c'est celle qui est chauffée au moment où on va uriner. Donc elle a été korette, il a coupé. Ou encore Ptsua Daka, c'est qu'elle était potsea. Et Daka, il a été, comment ça va être des psukim, qu'elle a été dach, il a broyé les testicules. C'est-à-dire dans les deux cas de figure, on parle d'une personne en fait qui a eu une action dans le membre ou dans les testicules qui ont fait que maintenant il ne peut plus avoir d'enfant. Soit ça peut être parce que d'abord il s'est fait broyer. Soit parce qu'il s'est fait sectionner les conduits qui apportaient le zéra dans les testicules, ou toutes sortes de situations qui font que maintenant qu'il ne peut plus avoir d'enfant. Dans tous ces cas-là, la Mishnah m'enseigne « Hen ve avdehen yochelu » Eux-mêmes et ses esclaves aussi, ils sont en droit de manger. Tandis qu'ou nechehen lo yochelu, leurs femmes n'auront plus le droit de manger. C'est-à-dire, en fait, c'est simple. Il faut savoir quelqu'un qui se fait castrer. Si c'est fait par une main humaine, d'accord. Après, il y a plusieurs. On va prendre des cas, je prends les cas extrêmes.
C'est quelqu'un qui a voulu se faire castrer. Il est parti se faire l'opération pour devenir femme, ou je ne sais pas si on peut devenir femme, mais en tout cas, il s'est fait et parti faire une opération pour les enlever. Ne plus avoir d'enfant, soit couper le membre, soit couper les testicules, soit sectionner. Et bien dans tous ces cas de figure, lui-même, s'il était Cohen, il a le droit de continuer à manger. Mais il a un problème technique, il n'a plus le droit de se marier, il n'a plus le droit de se marier avec une bête Israël. Parce qu'il y a marqué « Lo yavo ptsuadaka ou chrout shofra bikhal Hashem » Un ptsuadaka ou un chrout shofra, il n'a pas le droit de se marier avec Kehal Hashem. Comme le mamzer, il n'a pas le droit de se marier, lui non plus, il n'a pas le droit de se marier avec un Kehal Hashem, avec une femme normale. Ok ? Et c'est un interdit donc explicite dans la Torah. Il s'avère que si maintenant il va, en état, il va avoir un rapport avec sa femme, si c'est un Cohen par exemple, ou bien n'importe quelle femme en fait, c'est le même principe, s'il va avoir un rapport avec sa femme alors qu'il était marié, pendant 15 ans. Après il a opéré, il a supprimé les deux testicules, pas une seule. Et maintenant donc il n'est plus apte à avoir des enfants, même si... Alors maintenant il va continuer à être marié avec sa femme, s'il va avoir un rapport avec elle, sa femme tombe dans son interdit de la Torah. Dès lors, elle devient halala ou zona. Elle va prendre un statut que maintenant elle va devenir invalidée face au Kohanim. Si lui-même était un Kohen, sa femme elle est devenue halala, sa femme elle ne peut plus manger la trauma. D'accord? Par contre, c'est lui-même, il a le droit de manger la trauma, parce que le pauvre, que ça peut faire, il reste Kohen. Mais il a pas aimé, il peut plus avoir de rapport avec sa femme. Donc s'il va avoir un rapport avec sa femme, il va lui interdire de manger la trauma parce qu'elle est devenue halala. Comme tout Kohen qui a été profané. Maintenant, Vim lo yeda'a, mais si toutefois depuis le moment il a été castré. Lo yeda'a, il n'a pas eu de rapport avec sa femme. Donc il n'a pas transgressé l'interdit d'avoir un rapport avec quelqu'un ptsuadaka, qu'une personne castrée ait un rapport avec une bâtisse israélienne, ils n'ont pas fait leur acte. Sa femme qui reste son bien, elle a le droit de continuer à manger la trauma. Regardez dans les mots. Vim lo yeda'a, s'il n'a pas eu de rapport, Mishene Esa ptsuadaka ou Khrut Shofra. Depuis le moment où il est devenu Ptsuadaka ou Kurut Shofra, et bien dans ce cas-là, Are Elu, Yochelu, ils auront le droit de consommer la trauma, puisque même sa femme, elle aura le droit de manger la trauma, parce que pour le moment, elle n'a pas eu. Elle reste un bien du Kohen, elle lui appartient, et elle n'a pas eu de rapport qui l'a rendu, qui l'a invalidé, donc elle pourra continuer à manger la trauma. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Sela.